Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une superbe recette de dip crémeux aux noix de cajou et au romarin. Pour ce faire, on va avoir besoin de noix de cajou trempées que l'on peut très avantageusement remplacer par des graines de tournesol. Ensuite, nous allons avoir besoin de levure maltée, d'huile de coco, de romarin frais ou séché, d'une cuillère de jus de citron, un peu de fleur de sel et de poivre. Et on commence. On va mettre les noix de cajou dans un mixeur. On ajoute alors la levure maltée. Le romarin frais ou séché. Ici, j'ai mis du romarin séché, alors pour que ça ait vraiment la saveur, j'en ai mis pas mal quand même. Une pincée de fleur de sel, un petit peu de poivre noir, une cuillère d'huile de coco qui est facultative et un filet de jus de citron vert. On mixe le tout et afin d'obtenir vraiment une texture très crémeuse, on va ajouter de l'eau petit à petit. Voilà, on veut une texture à peu près qui ressemble à ça au final. On dresse, donc ici j'ai mis ça dans un joli ramequin. C'est vraiment très très pratique, super bon, c'est fait en 2 minutes. C'est vraiment une superbe recette pour l'apéro qui change. Et l'association du romarin et de la noix de cajou, c'est vraiment très crémeux, très rond, très délicieux. Je ne sais pas si ça se dit très délicieux, mais c'est vraiment un super délice. Vous voyez, j'en perds même mon français. À demain pour une nouvelle vidéo.